C'est bon? Voilà. Vous voyez cette femelle-là? Vous voyez ses oreilles? Vous voyez un peu que c'est un peu jaune, un peu jaunâtre. C'est parce qu'elle avait de la gale. D'accord? Comme celle-là. Vous voyez? Comme celle-là. Comme celle-là. Et je l'ai traitée avec ce produit. C'est un produit bio. De passage, tout simplement. Et voilà. Le problème est résolu. Donc, je vais vous faire, je vais faire cette vidéo pour vous montrer le produit. D'accord? Et ce produit-là, nous allons l'utiliser pour traiter cette femelle-là. Et une semaine après, je vais vous faire une vidéo pour vous donner le résultat. D'accord? Donc, je vais remettre celle-là à sa place et puis tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà le produit. C'est juste, ce sont des plantes que j'ai associées pour uniquement pour traiter comment appelle, tout ce qui est plaie, d'accord? Tout ce qui est plaie, tout ce qui est gale. Donc, même si vous avez votre chien et que je fais cette potion et que vous l'avez votre chien, tout ce qui est puce, tout ce qui est plaie, tout ce qui est croûte, tout disparaît. Donc, nous allons passer au traitement. Juste après une dose de d'ivermectine, on va faire maintenant une application locale. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va imbiber les oreilles du produit. Voilà. Voilà. Vous voyez? Je suis en train d'imbiber. Comme ça, le produit. Je vais mouler toutes ses oreilles à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, comme ça. Voilà, on va attendre quelques minutes. Masser légèrement. Voilà. Et on va commencer à enlever légèrement les croûtes. Voilà. Comme ça. Voilà. Ne frottez pas de sorte que ça puisse leur faire mal. Il faut juste, comment on appelle, légèrement, voilà, comme ça. Voilà. Ici, nous avons le mari. Après, nous allons mettre sur les pattes. Voilà. Et enlever les pattes. Pour que le plus puisse rentrer. Voilà. Pour que ça soit bien mouillé, bien tranquille. Et on va laisser, voilà, on va laisser d'ici 2 jours, faire encore le même traitement. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas eu de sang, rien, rien, rien. D'accord? On va le laisser comme ça. Et la semaine prochaine, je vous fais, quoi, je vous donne le résultat. Ah, voilà. Donc, merci beaucoup et prends la